Votre programme avec Préservation du patrimoine. 400 spécialistes pour baisser votre consommation d'énergie. Certes, on s'est mis, on va dire, dans cette situation tout seul, mais c'était un peu difficile, que ce soit mentalement et même quelquefois physiquement. Ça a été un peu compliqué. Après, voilà, ça fait plaisir de rester en Ligue 1. Ça a été une bataille difficile, mais au final, on en sort vainqueur, donc tout mieux. Là, quand on regarde, c'est le premier match surtout, parce que voilà, on a été gagné là-bas. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, on savait que c'était les deux derniers matchs, donc on s'est battu, on s'est donné à fond. Et ça a payé. Et comme quoi, bah, au final, c'est une défaite qui nous permet de rester en Ligue 1. Donc en vrai, tant mieux, ça fait vraiment plaisir. Jamais, et franchement, j'ai jamais autant chanté dans un... Jamais autant chanté dans un vestiaire, je crois. Franchement, vraiment. Bah oui, c'était important, sachant que voilà, j'ai déjà connu une descente. Et on va dire que voilà, en tant que saison pleine, personnellement, j'avais jamais rejoué. Et de pouvoir faire une saison, et même si elle a été difficile, y rester en Ligue 1, c'est une revanche, je dirais. Et ça fait toujours plaisir. Ouais, mentalement, donc on va vraiment se reposer là. Dis-leur qu'il n'y aura pas deux saisons comme celle-ci. Vraiment pas. Là, de l'année, de la saison prochaine, là, non. Là, franchement, je pense qu'on va tout donner dès le début. On s'est beaucoup parlé. Pendant les 6 derniers mois surtout. Et franchement, l'équipe, elle n'a pas envie de revivre la même chose, je pense. C'était une saison compliquée. Voilà, on s'est battu sur ces derniers matchs. On a tout donné. On a vu à quel point on était capable de faire de belles choses. Voilà, avec un petit peu de recul, là, je réagis à chaud. Je vais réaliser ce qu'on a fait. Et puis voilà, c'est que du bonheur ce qui nous arrive. Ouais, surtout au mental, voilà, ils ont fait une grosse performance. Nous, on a reculé, malheureusement, mais c'est qu'un détail, c'est des faits de jeu. Au final, on l'emporte sur les deux rencontres, et c'est le principal ce soir. Ouais, forcément, le laisser là où il mérite d'être, voilà, c'est un grand club avec une grande histoire, et le fait de le laisser dans l'élite, c'est une belle chose de fait pour le groupe, pour le staff, pour les staffs médicaux. C'est magnifique. On oublie tout ce qui s'est passé. On finit en fait cette saison qui était très très longue et très compliquée. On a souffert jusqu'au bout, du début de la saison jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières minutes là, à l'image de ce match. Oui, et puis ce qu'on avait fait au match aller aussi, c'était important. On sait que sur deux matchs c'est toujours compliqué, on a fait ce qu'il fallait à l'aller, on aurait pu faire mieux aussi pour être plus à l'abri. Et puis sur le match retour, on ne sait jamais ce qui s'est passé, une équipe qui prend le dessus au départ, une autre qui stresse un peu, qui veut garder son résultat, qui ne sait pas trop quoi faire. C'est comme ça, on a réussi à rester costaud. Ils ont une seule occasion, ils la mettent. Après, ils ont été un peu dangereux. Ça a été très stressant, c'est vrai. Mais on a fait le job pour rester en Ligue 1 l'année prochaine. Depuis le début, c'est ce qu'on dit. Hein. Quelle que soit la manière, qu'on soit beau ou qu'on soit pas beau, que ce soit cette semaine ou que ce soit la semaine dernière, c'est ce qu'on voulait faire, c'était l'objectif. On se devait de faire ça, on n'avait pas le choix. C'était notre métier, il faut bien faire notre métier. Voilà, on a sauvé des emplois aujourd'hui. On a mis, comme dit le coach, l'église à sa place, donc c'est très bien. Ouais, je souhaite à tout le monde de couper, vraiment, d'oublier tout ce qui s'est passé pour le moment, en tout cas. Et après, voilà, de bien profiter de ses proches, de sa famille, de bien souffler parce que ça a été long. Et puis on verra ce qui se passera la saison prochaine.